Eh ben, si ça s'en est pas la peine, je sais pas ce qu'il ferait. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo orpheline des autres, parce que oui, ce n'est pas un let's play, c'est une découverte. Alors, cette vidéo a été entre guillemets proposée par Catman, membre du Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord, je vous précise, ça m'étonnerait. Bref, quoi qu'il en soit, j'aime l'idée de revenir sur Megaman X, puisque ça fait bien longtemps. Et j'espère donc que cette vidéo va permettre de faire connaître cette licence à ceux qui ne connaissent pas déjà Megaman X. Alors attention, hein, ce n'est pas Megaman, c'est bien la série Megaman X. Je vous en parlais tout au long de la vidéo, ne vous en faites pas. Donc, le concept de vidéo, c'était de faire une vidéo sur un Megaman, mon Megaman préféré. Bon, au lieu de choisir le Megaman que je préfère, j'ai choisi la saga, la série que je préfère dérivée de Megaman. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Megaman, la série principale, il y a X, il y a aussi toutes les séries sur Zero, il y a trucs sur DS avec un gamin, bon c'est vraiment très prolifique, la moitié n'est jamais arrivée chez nous. Voir si c'est arrivé, ça n'était pas traduit. Bref, restons sur Megaman X. Megaman X, ça a été sorti en 93. C'est un jeu de plateforme action. Et j'insiste sur le action, contrairement à Megaman, qui était un jeu de plateforme surtout. Beaucoup de particularités, beaucoup de nouvelles choses dans cette saga qui fait que je préfère. Notamment la promesse de redynamiser le tout. Bon, on va pas perdre de temps. Et on va tout de suite sauter sur le début du jeu. Hop, commencer. Donc l'écran continué, ça mène à un écran de mot de passe. C'est sorti sur Super Nintendo. Bon, on va tout de suite s'affranchir des contrôles. Donc sauter, tirer. On peut tirer en chargeant de moitié pour faire un tir vert. Et on peut charger complètement pour faire un tir complet. Voilà, basiquement c'est ça. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est ultra beau. Mais genre, vraiment magnifique. Ce qui change... Bon. Ce qui change avec la saga de Megaman, déjà, c'est ça. C'est cette volonté de faire quelque chose de ultra, ultra beau. Oula, je me suis fait défoncer. Mais aussi, de rendre le jeu ultra dynamique. Donc en changeant le character design, en changeant la mécanique. Il y a moyen d'augmenter sa vie. Vous verrez, il y a une capacité, on en parlera plus tard de ça. Aussi, dans de nouvelles choses, il y a la présence d'un scénario qui est bien plus présent, enfin, bien plus développé que ce qu'on a pu connaître des Megaman. Alors, pour vous donner une idée. Cette série, la saga des X, se passe 1000 ans après, je crois. Et X, enfin Megaman X, de son nom complet, mais on l'appelle par son nom X, est en fait un robot qui est la dernière génération de Megaman, mais qui n'a pas pu être abouti parce que son... Le professeur Light, celui qui a fait, c'est le même qui a créé les Megaman, hein, est mort. On n'a pas pu finir sa création. Et en fait, c'est un robot qui est capable de penser, capable de prendre des décisions. C'est vraiment la forme de robot ultime. Oui, attention, je joue sur l'émulateur, il y a des ralentissements, c'est normal. Hein. Sinon, là, il n'y aura pas de problème de capture comme on a eu dans l'épisode 1 et 2 de Heroes. Hop. Ah oui, donc j'ai oublié de dire aussi, je l'ai fait sans parler, mais il y a le wall jump. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je crois. Ah oui, et donc dans ce monde où les robots sont très, très développés, il y a la présence de robots qui sont corrompus. Ce qu'on appelle les Mavericks, je crois. Il me semble. J'avais un peu préparé la vidéo pour... au niveau du lore, etc. Et les Mavericks, c'est basiquement ce que j'affronte, c'est les principaux ennemis. Et ils ont été créés, corrompus par Sigma, qui est le méchant du jeu.
un des boss fights les plus compliqués que j'ai eu à faire. Oui, il faut savoir aussi que Mega Man X est une saga, il y en a énormément. Je crois qu'il y en a 8 de mémoire. J'ai joué aux 6 premiers, je crois. Bon, j'ai une parfaite mémoire du 1, 2 et 3. Enfin, parfaite. Encore, c'est assez flou, mais genre, je m'en souviens. Par contre, les autres, je vous cache pas que c'était... Je les ai pas finis, ou bon, honte à moi, je sais. Mais je pense que je devrais le faire un de ces jours. Allez, on va finir ce petit tuto. Il va nous lâcher le boss. Oh. Fouille-yoye. Bon. Je sais que, enfin, dans mes souvenirs, il balance plein de robots. Il faut tous les tuer. Je pense en avoir beaucoup là. Ah, mais attendez. Je suis bête, faut que j'avance. On va avancer. Hop. Voilà. Donc, rencontrons le méchant Boba Fett, hein, bien sûr. Bon. Premier boss fight, mais il est truqué. Je vais me laisser tuer parce que vous allez voir tout de suite. Allez. Voilà. Toi, pièce de ferraille inutile, tu pensais pouvoir me vaincre? Mais je connais ce son. Oh, et oui, notre héros vient nous sauver, qui est le grand et le très cool. Le très cool Zéro. Pas assez puissant. X, tu n'aurais pas dû te le défier. Il est destiné à faire la guerre. Tu sais, tu n'as pas acquis toute ta puissance. Si tu utilises toutes tes habiletés propres, tu vas devenir plus fort. Pas comme moi. Moi, je suis déjà trop cool. Tu pourrais devenir aussi fort que moi. Lol. Alors ça, pour le coup, j'y crois pas trop. Alors, j'ai vu que ça avait saturé, désolé. Je ne le referai plus. Je te joindrai quand tu seras prêt, à toute heure. X, tu en es capable. Je crois en toi. Donc vous voyez, clairement, c'est un robot comme nous, hein, du même modèle que nous. Bon, il y a assez mystérieux, donc je n'en parlerai pas, et c'est un personnage assez récurrent. Et donc nous avons vu le mot de passe, hein, c'était le système de sauvegarde à l'époque. Et pour ceux qui sont revenus au Mega Man, ça leur parle bien. Donc on a 2, 4, 6, 8, 8 boss dans ce Mega Man X. En général, ça varie entre 6 et 8. L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire 3 niveaux et d'en faire un en 9 minutes. Ok, ça me paraît bien. Le second niveau que j'ai prévu de faire, c'est celui-là, parce que dedans, on récupère le dash. Et en fait, dans le lore, le professeur Light, le créateur, nous avait laissé dans un laboratoire, mais incomplet, comme vient de le dire Zéro. Et en fait, il a laissé des capsules un peu partout dans le monde, et on doit aller les récupérer. Et dedans, il y a les modules qui vont permettre de nous s'améliorer. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller nous bastonner avec Mister Pingouin. Alors je précise que le skill va être absent, je pense. Je vais faire de mon mieux pour ne pas être ridicule, mais... J'ai beaucoup joué à ce jeu, mais... Si on n'entretient pas le skill... Oula. Il s'en va. Alors oui, faites pas attention, c'est normal. Les ennemis repop... quand on quitte l'écran. C'est comme ça, hein, c'est l'époque de la Super NES. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisque ça permet de farm et d'abuser un peu pour récupérer sa vie avant un boss compliqué. Notamment dans le château de Sigma. Alors ouais, j'ai bien sûr dit le concept des Mega Man X, maintenant je peux en parler. Je peux faire les boss dans l'ordre que je veux.
Donc là, les 8 boss dans l'ordre que je veux. Et lorsque je les aurai battus, j'obtiendrai leur pouvoir. Il y aurait des armes vraiment super cool. Si je le bats, j'espère pouvoir vous le montrer. Et après avoir battu tous les boss, on va pouvoir avoir accès au château du Dr. Sigma, enfin au repère du Dr. Sigma. Dans les Megaman principaux, c'est le château du Dr. Willy. Là, c'est pas un docteur, hein, mais en plus, c'est juste Sigma. Et dans ce château, il y aura tous les plein de boss horribles, vraiment qui vont faire des cauchemars. Tellement. Enfin, ça, je vous laisse aller le découvrir si ça vous chante. C'est vraiment un jeu. Ça, c'est vraiment un jeu qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Un Megaman, c'est quand même historique. Et dans ce château, on va pouvoir se rebattre contre les 8 boss, mais pour pouvoir déjà constater à quel point on a pas mal progressé, c'est toujours très satisfaisant. Et enfin, affronter le boss de fin qui est incroyablement difficile. Tu es venu ! Non, non, je ne vais pas faire la voix du vieux, je ne le fais pas très bien. En gros, il va nous dire... Donc là, il nous dit, comme je vous ai dit, qu'il nous a donné la liberté de penser. On est capable de penser. Comme ça, on pourra choisir notre chemin, la justice, ou faire le mal, comme les Mavericks ont choisi. Et donc, dans cette capsule, il y a un élément de... bon, excusez-moi, ça... On va skipper le dialogue parce qu'on s'en fiche un peu, je vous ai déjà tout dit. Et dans cette capsule, il y a les bots. Hop. Voilà. Regardez, là, mes bots, elles ont changé. Et maintenant, si je fais ça, je peux dash, si j'appuie deux fois sur le côté. Et donc, il y a la pièce du casque, la pièce d'armure et la pièce de canon. Donc le casque qui permet de casser des rochers avec sa tête, l'armure, je ne sais plus, je crois que ça empêche de se faire toucher, enfin ça repousse un coup d'ennemi, et le canon ça fait un truc super super cool. Oh merde. Hop. Et donc c'est pour ça que j'avais pris le niveau du pingouin, hein, parce que un Megaman sans dash n'est pas un Megaman. Alors le premier Megaman il n'y avait pas de dash, mais c'est un élément de gameplay qui a été rajouté. Je crois bien que Megaman c'est le principal. Et le Megaman X c'est là dès le début. Et puis le dash ça quand même. Ça rend. Enfin ça permet quand même de rendre le jeu plus plus interactif. Plus dynamique, c'est ça le mot que je cherche. Alors ouais tiens. Je peux. Ouais, je crois que je peux tenter. Hop. Je sais plus ce qu'il y a ici. Un passage secret pour skipper tous les monstres. Oh non, pas cet ennemi. Faut que je le tue très vite. Hop. Il y en a encore un. Oh, bon. Dans mes souvenirs, on est au boss. Donc voilà. Zone caractéristique du boss, bien connue. Basiquement, si on perd, on va revenir là. Allez, c'est parti pour se battre contre Pingouin, je sais plus quoi. Ice Pingouin, je sais plus. Bon. Tous les boss de Megaman. Il faut apprendre leur pattern si on veut les battre. Donc il y en a qui font que du blaster. Mais vous verrez, il va me donner un... Ouf. Il va me donner son arme quand il va mourir. Et cette arme, en fait, sera efficace contre un autre boss. Ce qui rend le jeu pas non plus simple, pour autant. Allez. On n'avait pas vu ce... Oh ! Oh, je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai pas vu ma vie. Bon, on va corriger ça. Combien j'ai de vie ? 3. Allez, je peux le faire.
c'est mon honneur qui est en jeu. C'est vraiment pas un boss difficile. Mais... Oulala, là là, j'ai un problème. Putain, j'arrête pas de faire ça. Allez, hop. Je sens que je vais perdre. Allez. Pour le bien de la vidéo, je fais une save state. Ne faites pas ça, c'est pas bien. C'est vraiment parce que normalement vous devriez vous entraîner, etc. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer l'arme en fait. J'ai peur de ne pas pouvoir le battre. Oui, je manque de confiance en moi, c'est pas bien. Je pense en. Allez, je pense que c'est la bonne. Dit-il en se prenant un coup. J'utilise le dash pour l'esquiver lorsqu'il saute sur moi. Oui, pas comme ça quoi. Allez, moitié de sa vie maintenant. Ça, c'est un coup facile à lui mettre. Puis pendant qu'il crée ses points, parfait. Faut se montrer au sol lorsqu'il est en bas. Vous voyez, on apprend quand même vite. Et voilà. Bon, comme quoi, avoir fait la save state, ça sert à rien. Ouf. Bon. Et maintenant, vous allez avoir le droit à une petite séquence où il reçoit une arme. Tadam. Donc, l'arme que l'on reçoit, c'est le Shotgun Ice. Donc voilà, il nous présente qu'est-ce que ça fait. Et je ne sais plus contre qui c'est efficace. Je vais regarder les boss vite fait, puisqu'on n'a pas fait le tour. Donc là, vous voyez, le boss pingouin est mort. Alors, c'est vraiment un truc super cool, ça. C'est que dans Megaman. Donc je peux retourner dans le boss du pingouin, hein, pas de soucis. Genre, il y a des trucs cachés peut-être dedans. Les morceaux d'armure sont cachés dans les niveaux. On a le poulpe. Le blaireau, le l'aigle, alors ça je ne sais plus quel animal c'est, le caméléon, je ne sais plus qui est ce boss, je l'ai totalement oublié, et je crois que ça c'est un très gros boss qui balance du feu, donc c'est peut-être lui le boss contre lequel je suis faible. Bon, on va faire celui-là du coup. Mais à 19 minutes à peu près, très bien. Voilà, un éléphant, c'est ça. Flingue ma botte. Quoique, c'est un peu con ce que j'ai fait. J'ai la glace, pas du feu. Est-ce que je peux quitter? Non. Je suis obligé de faire le boss au niveau. Parce que je pense me souvenir, c'est le boss électrique qu'il faut aller voir. C'est pas grave. Oh, j'ai pas réussi à choper la vie. Allez. Un truc que je n'ai pas évoqué, mais qui est assez assez caractéristique de la série, c'est quand même la musique. Vraiment, les meilleures musiques old school, il y en a. On aura beaucoup de Megaman, franchement. C'est pas pour rien que la série s'appelle Rockman au Japon. Rockman X aussi pour cette saga-là. Donc j'espère que vous appréciez cette petite présentation, que je ne suis pas trop mauvais. J'espère aussi que le record n'est pas trop foireux. Dans les tests, ça avait l'air d'être plutôt bon.
Hop, et voilà, on a passé cette séquence. Donc, moi je vous invite très franchement à essayer le jeu. Ne serait-ce pas forcément le finir, alors si le cœur vous en dit, parce que il est difficile, mais c'est de la bonne difficulté, bien dosée. Et puis, si vous voulez faire un vrai boss final une fois dans votre vie, au moins, c'est le moment. Hein. Oh. J'ai eu très peur. Mais en tout cas, au moins essayer quelques niveaux que je n'aurais pas fait là, parce que je ne veux pas tous les faire. Et puis à ma connaissance, aucun display n'est prévu. Je ne pense pas en faire un, parce que c'est assez... C'est un format épisodique un peu chelou quand même, je vois pas trop comment je pourrais faire, parce que les niveaux sont assez courts. Hop. Les niveaux sont assez courts, donc comme je disais, donc ça ferait des vidéos de 4 minutes à la limite, voire 15 minutes si j'y arrive vraiment pas, et ce serait très saoulant parce que voir quelqu'un ne pas avoir de skill. Je pense que c'est un jeu qui sera mis en live, donc si un jour je fais des lives, c'est pas dit que je ne le fais pas. On va s'équiper du truc de glace et on va essayer de voir ce que ça ferait. Là vous voyez, j'ai une jauge. Ouais, donc ça lui fait vraiment pas de dégâts. Hop, le X-Buster. Oh, j'arrive pas à dasher. Bon, je suis en train de me faire défoncer. On va essayer de se concentrer, mais je pense pas que j'arriverai à le battre. Parce que je n'étais pas concentré, mais je sais plus vraiment les mécaniques. C'est pas mal, ça va, je sais que c'est le plus simple du jeu. Mais... En vrai, j'aurais dû aller dans le niveau électrique. Ah merde. Ah, mais en plus, il fait ça super longtemps. Ils vont me coincer là longtemps. Il faut que je le vois pour lui mettre des dégâts. Ouais, il est vraiment super dur. Parce que je le vois pas ni rien. Ah, ça me dégoûte un peu. Bon, on va essayer une dernière fois. Si j'y arrive pas. Allez. Ok, j'aime bien, ça servait à quoi cette merde. Alors ça c'est vraiment dégueulasse quand il fait ça. Oh, mais ça me ralentit aussi. Horrible de perdre là. Oh non! Comme quoi, la vie est injuste. Donc le mot de passe qui me dit bien, ah, t'as perdu, t'es trop nul. Avant de partir, j'aimerais finir sur... J'évoquais les musiques, mais j'aimerais... vous montrer la meilleure musique du jeu, je pense. Enfin, excepté les boss, donc des 8 niveaux, celle qui est la plus agréable, mais aussi le niveau le plus cancer. Donc, pour attiser la peine, je vous laisse écouter un peu pendant que je joue.
Je déteste ces trucs-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une agréable bonne journée, j'en sais rien. Allez, à la prochaine.